trois gars de mon quartier, je me suis laissé entraîner dans un tripot la semaine dernière. Dans une salle enfumée, nous nous sommes installés autour d'une table de poker. On a enlevé nos vestons, commandé force boisson, puis la partie a commencé telle que je vais vous l'expliquer. On prend les cartes, on brasse les cartes, on coupe les cartes, on donne les cartes. Ah, c'est merveilleux, on va jouer au poker. On reprend ses cartes, on regarde ses cartes, on s'écrit cartes, puis on écarte. J'en jette trois car j'ai déjà une paire. Quand tout le monde a son jeu, on se regarde en chien de faïence. On essaie de lire dans les yeux du voisin plein de méfiance. J'ai pris trois cartes et lui deux cartes, vous combien de cartes? Moi juste une carte, ah ah, faut se méfier, y'a du bluff dans l'air. Je suis blind, à toi de parler, dit au second le premier. Et ce dernier s'écrit parole. Le troisième mise 100 francs, je dis t'es 100 plus 1000 francs. Les deux autres s'arrêtent au vol. Le troisième me dit voilà tes 1000 francs, qu'est-ce que tu as? Trois dames, j'ai gagné je crois, non dit-il car j'ai trois rois. On prend les cartes, on brasse les cartes, on coupe les cartes, on donne les cartes. Je me dis qu'es-tu venu faire dans cette galère? On reprend ses cartes, on regarde ses cartes, on s'écrit cartes puis on écarte. Je me dis maintenant va falloir se refaire. Pendant toute la partie je me faisais des reproches. Quand se termina la nuit je n'avais plus rien en poche. Avant que je ne parte je prends les cartes, je déchire les cartes, je jette les cartes et les piétine avec colère. Mais au moment de m'en aller, j'entends des coups de sifflet, une descente de police. Les inspecteurs du quartier veulent tous nous interroger. Me voici devant la justice. Ils me disent, mon garçon, nous sommes bons et te donnons une minute pour t'expliquer. Je leur ai dit, affolé, on prend les cartes, on brasse les cartes, on coupe les cartes, on donne les cartes. Je n'ai jamais rien eu de meilleur qu'une paire. On prend ses cartes, on regarde ses cartes, on s'écrit cartes, puis on écarte. Je vois très bien, me dit le commissaire. On va vous emprisonner car du reste moi je m'en fiche. Mais on va vous affecter au département des fiches. On prend les cartes, on regarde les cartes, on trie les cartes, on range les cartes. En prison je suis devenu fonctionnaire. Tout ça parce qu'un jour, un bien triste jour, j'ai voulu jouer au poker.